Bon, alors, voilà, président. Oui. Je vais vous présenter Monsieur Fatal, oui. Qui désormais, avant on avait un mage, oui. Qui maintenant on a choisi Eric, Monsieur Fatal, qui tire les tarots, oui. à nos invités principaux chaque semaine. Ah bon. Alors la question à laquelle je voudrais que les cartes répondent, mon cher Eric, c'est est-ce que le président Bourges va revenir à la télévision dans les mois qui viennent? Ah si, 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 si. Nous allons laisser parler les cartes décideront, les cartes mettront lumière. Je vous demanderai de battre les cartes, quatre fois, de bien bien les mélanger, de bien mettre votre énergie. J'ai joué à la belote dans le temps, un peu au bridge, et surtout au poker. C'est un oracle. J'aimais le poker, vous savez. Mais la télé, c'est du poker. Hein. Ouais. Un coup de poker. Voilà. Voilà. Bon, le foulard sacré, très important. Le drapeau, pas intérêt à te gourer. Hein. Le drapeau rouge. Et donc. L'autre sur la marmite, non? Non, c'est le drapeau noir. Non, non, le drapeau rouge. Bon. Et donc, nous allons prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, ici. Donc, la réponse à cette question fondamentale professionnelle, la réponse immédiate est la suivante. Vous allez progresser. Il y a un progrès évident. Certaines sphères qui vous retiennent un petit peu en ce moment, malheureusement, mais le progrès est assuré. C'est une réponse positive. Agissez avec prudence et avec prudence et attention aux détails, mais je pense que le progrès est assuré. Il y a un progrès assuré en votre faveur. À quoi vous attendre dans le futur immédiat? La réconciliation. L'éclaircissement. L'éclaircissement, la réconciliation qui découlera de discussions vives et animées. Il y aura beaucoup d'opposition, mais je pense que cette opposition va former une fusion et une réponse positive. Il y a progrès, il y a éclaircissement. Éclaircissement, c'est dans la bonne voie, vous êtes vraiment dans la bonne voie. La troisième carte indique les facteurs cachés subconscients, c'est-à-dire ce qui se passe au fin fond des choses, encore des gains, le progrès. Vous allez gagner. Je vois une victoire assurée qui viendra de beaucoup de conflits, certainement, mais la victoire est là. La victoire en chantant, formidable alors. Le passé, c'était l'idéal. Ah. Pourquoi est-ce que cet idéal ne se reproduirait pas? L'idéal était dans le passé. Le dénouement possible. Prudent, soyez prudent. Pas de budget énorme pour commencer, je veux dire, une certaine prudence, mais il a une certaine économie. Quand on était à TF1, je veux te dire, on n'avait pas beaucoup de pognon. C'est la carte de la gestion, c'est-à-dire la carte de la gestion intelligente et sage. Ouais. Quatre progrès dans le futur, carrément même le besoin d'une certaine avarice, voire au niveau de l'avarice, plutôt que d'une générosité. Ce sera plutôt une chaîne pas riche alors. Pour commencer, c'est seulement au départ, ouais. En progressant un peu plus loin. Il y aura un peu de colère, beaucoup de caractère intempestueux. Essayez de tempérer votre colère. C'est en colère des fois. De ne pas être trop colérique. La diplomatie, l'équilibre est à protéger. En progressant dans le futur, la chance est avec vous. La chance sera avec vous. Profitez de cette chance. Vous allez avoir beaucoup de chance. Tout va bien se passer. Je veux dire, c'est tout à fait positif. C'est la roue de la fortune, la roue tourne, et donc donner naissance à de nouveaux projets tout à fait valables et tout à fait positifs. Les cartes sont extrêmement favorables à la situation. Mais de toute manière, la roue de la fortune est en votre faveur. Donner naissance à un nouveau projet. Sur notre chaîne. Hein.